L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. Sissi Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kéboro Kamara, M. Brema Kamara di Kalonzo, M. Aboubakar Gakité di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Est-ce que M. Mamadi Kondé est dans la salle? Quel est votre nom? Ito. Mamadi Kondé. Mamadi Kondé. Vous avez quel âge? Isangel. 1980. Où vous êtes né? Isoronami. Fansan, préfecture Kourcha. Kourcha, Fansan. Quelle est votre profession? Bara. Ouvrier. Ouvrier. Ouvrier, quel genre? Ouvrier Kassia. Assouduma. Gulaya. Ouvrier Léodi. Gulaya, Marcha. Où vous êtes domicilié? Ici, nous revenons. BCA. BCA. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Kouyan a fait au tribunal, mais il l'a encore. Kouyan. Bon, 28 septembre, c'est au Madala. Le 28 septembre, le matin? 7h. 7h. On était dans la barre à Rola. On était dans notre lieu de travail. Nimbia qui est entré au café là. J'étais là-bas avec mon ami au café. Kenyan. Kenyan. Mais quand mon gomoto terrain là. Moi je lui ai dit que je vais au terrain. Mais moto Amdalaï. Mais je vais à Amdalaï. Nouma. À la maison. Nimbora en Gondoa. Quand je quitte là-bas, je vais au terrain. Et là, Agnès, il y a la Carrefour Concasseur là. À l'arrivée de Carrefour Concasseur. Bon, peut-être demain. J'ai vu une foule. Donc maintenant, nous, quand quelqu'un est en terrain. Bon, j'ai suivi cette foule-là. Nous avons fait ensemble. Je suis parti au terrain. On s'est dans le tirage là. Arrivé au niveau des terrasses. On va quitter Corosre, Tchèbrosre. Nous avons trouvé Tchèbro là-bas. Donc, au terrain, moi, il s'en divisait là. Lui, il sensibilisait les gens. Moi, il y a quoi, c'est quoi, bien, indépendance, fait-il lundi. Il dit que les gens n'ont qu'à se retourner. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de l'indépendance, anniversaire. Le titre de la noca, aïouya, soza, aïouya, aïouya. Il y a quelqu'un parmi nous qui dit ah, c'est faux, il manque, allons-y. Il a insulté ce dernier. Nous avons dépassé, nous sommes rentrés au terrain. Donc on a un terrain. Nous sommes restés. À 11h comme ça. À 11h. Nakankili. Moi-même, on m'a appelé. Combien de De me retourner. Combien de cause comme à Sindifla Katoumé. Ah, sinon je vais te maudire à cause de mes descentes là. Donc, tu vois, directement comme un conseil. De là-bas, je me suis retourné. Mais il y a beaucoup de terrain qu'on a juste. Je ressortais tout juste du terrain. J'ai entendu les cris. J'ai escaladé le mur. Je n'ai pas pu arriver à la porte. Bon, maintenant, on va le Kenema. De là-bas, je suis sorti maintenant dehors. On est dans le mur. Dixine, et stationné, mais on y a la belle ville.
Nous sommes venus jusqu'à la station de Tixin en allant vers Belle. Maintenant, ben, les gendarmes ont dit. Nous nous sommes rencontrés avec les gendarmes là-bas. Oui, qu'à tir qui en a eu. Ils ont fait le tir là-bas. Comme on a mis bon. Ils ont tiré sur 4 personnes. Donc, qui sait qu'on est sur un Sissi de Anon et qu'à bon quoi fait. Donc, la balle est arrivée ici, au milieu de votre, pour sortir de l'hôpital. Wow. Population de 41 ans, non? La population nous a pris là-bas. Nous les avons envoyés dans une concession dans le quartier là-bas. L'ambulance est venue nous chercher. Donc on est l'ambulance. On était à terre là-bas, il y avait une personne qui était montée dans l'ambulance. Puis lui est venu tomber sur lui. Donc on a dit, il dit non, vous ne montez pas. Donc on a quoi en passé que vous ne montez pas. Qui vous a dit de sortir? Est-ce que c'était pas dit de ne pas sortir? Donc la population ni Croix-Rouge, la population et les gens de Croix-Rouge l'ont prié. Donc on a dit qu'on a 15 minutes, 20 minutes, on est doux. On était là-bas environ 15 minutes à terre. Donc on a dit alors, il a accepté le pardon. On nous a transporté à Donka. Donc en tout cas, nous sommes restés là-bas. Monsieur Kaba. Il y a un docteur que je salue. Très bien, Monsieur Kaba. Il s'est occupé de moi. Donc on a compris tout maintenant. 10 minutes continue ça. Ah, si tu n'arrivais pas ici, dans 10 minutes tu allais mourir. Parce que là où on nous avait pris, j'avais tellement perdu du sang, je ne voyais plus maintenant. Donc maintenant, jusqu'à une semaine, il s'est occupé de moi, je ne voyais rien. Même Dadi s'est renfoulé à lui maintenant. Même le jour où Dadi s'est venu nous saluer, moi je n'ai pas tellement remarqué ça. Donc, mais à comment ce qui m'est arrivé, c'est ça. Ce jour, est-ce que vous avez pu identifier certains militaires au stade? Quand je sortais, c'est celui de Koni Tumba. Aduna. Il rentrait. Donc maintenant, avec Tchébou. Et Pivi, je connais, c'est ceux-là que je connais. Quand vous avez vu M. Tumba, qu'est-ce qu'il faisait? Tumba y est à très bon étoile. Il poussait les gens, il écartait les gens pour rentrer dedans. Et M. Tchébou, qu'est-ce qu'il faisait? Tchébou, là. Donc, comme je viens de le dire bien, lui sensibilisait les gens pour dire que les gens ne doivent pas rentrer dans le terrain de se retourner. Et M. Pivi. Pivi donc. Pivi, donc, ce que je vous ai expliqué là, Pivi disait, les gens de Croix-Rouge de nous débarquer, de ne pas nous envoyer, comme je l'ai dit là. Ils étaient quatre avec ces gardes-corps. Bon, c'est pas lui qui m'a tué, moi sur moi, c'est les gendarmes qui ont tué sur moi. À quel niveau on a tiré sur vous? À une famille. Il y a une petite station là-bas. Autour de cette station, c'est là-bas où ils ont tiré sur moi.